Quoi? Comment ça se fait, l'éléphant? Maman, en fait, il était là! Il était là, Baluchon? Tu sais ce qu'il a écrit ou pas? Tu veux que maman elle écrit, elle le lise? C'est quoi le chiffre? 3. Et après, c'est. Le D et le O, ça fait. Do. Do. Et donc, deux fois D et O, ça fait Do. 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 Donc, 3 dodo. 3 dodo. Il n'y a plus que 3 dodo. Il a écrit ça. Je reviens d'action où j'ai encore craqué. Comme d'hab. J'y allais à la base pour chercher ça. La bouteille d'hélium pour l'anniversaire de Chris, elles étaient en promo à 19€. Sans, je vous mettrai les prix comme d'hab dans un coin. Alors j'ai pris pour le Noël de ma chienne, parce qu'on va faire un petit paquet quand même. Je lui ai pris les œufs comme ça. Je lui ai également pris une petite balle comme ça, donc elle va être trop contente de faire un cadeau à email. Je me suis repris un câble. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Attends 2 minutes. J'ai repris un pull à Catel, comme ça elle pourra choisir son pull moche pour cette année. Moi, j'ai fait ça. Faire plaisir, mon chéri. Hein, voilà. J'ai pris des cartes de vœux. Une 4 cartes de vœux. Un escargot en dérouleur de scotch. Un petit livre. J'ai mon aviseur de Léo et elles sont pas mal, Catel les aime bien. Donc quand j'ai vu qu'il y avait la version Noël, j'ai pris. J'ai pris cette version là, la version pour laver toutes les surfaces. J'ai déjà celle pour la cuisine que j'aime bien. J'ai trouvé ça pour Cat, elle va juste adorer peindre les petites figurines comme ça. Et pour finir, j'ai repris un panier à ma chienne parce que le sien elle me l'a défoncé. Voilà, donc ça c'était mes trouvailles à Action. Après j'ai fini mes cadeaux de Noël, etc. Voilà, allez, je vais voir mon bébé qui ralote. J'ai reçu un colis sur le thème du zéro déchet. Je vais vous montrer. Alors c'est la marque je ne saurais pas le dire. Le site est en français maintenant alors qu'avant il ne l'était pas, donc pour info. Alors ça ils me les ont mis mais j'étais... IMS-VEMS. Ouais. Donc ça ils me les ont mis mais même si je leur avais dit que je ne serais pas du style à les utiliser parce que je suis à la cup et je n'utilise pas de serviette lavable, serviette hygiénique lavable. Donc je vais quand même tester. Mais je pense que je les proposerai à ma petite sœur qui elle sera sûrement intéressée. Alors dedans il y avait également des langes. Alors moi les langes c'est une grande passion et mes enfants aussi. Toujours pratique, il faut toujours avoir des langes, toujours. Des cotons lavables, donc là pour le démaquillage mais également pour l'échange des enfants. Des grandes, alors là vous voyez la taille, donc c'est des grands cotons pareil, c'est des lingettes lavables. Donc ça c'est top pour essuyer la bouche des enfants, c'est top. Un petit sachet avec dedans, c'est imperméable, donc pour mettre dans le sac à langer quand vous partez avec les lingettes lavables, etc. Ça c'est top. Et des couvertures. Alors, je veux pas, j'ai pas ouvert celle-ci, mais j'ai ouvert elle pour vous montrer. Elles sont trop belles et elles sont elles sont vraiment superbes. Donc c'est du 80 par 100. Et elles sont vraiment trop choues, j'aime beaucoup. Donc ça, moi, ça va aller dans la voiture. Comme ça, ils auront chacun la leur. Et en fait, c'est la couverture pour, comme c'est pas de manteau dans la voiture, dans les sièges auto, c'est manteau interdit. Et bien, s'ils ont froid le matin, hop, on met la couverture. Voilà. Donc ça, ça va aller directement dans la titine. Regardez la jolie robe. Bon, ça implote un peu au niveau du haut. Mais c'est une robe qui, pour lui aller pour mai. Donc on a le temps. C'est pour le jour où on fera son baptême civil. C'est quoi le baptême civil? J'expliquerai mon cas. Ouais, mais tu l'enlèves là. Et ça a été fait main par Mademoiselle Hibou. Je vous mets sa boutique en barre d'infos. Et je pense qu'il faudra juste... Soit on rajoute un petit bouton ou un petit nœud. Maman, mon cœur. Ouais. T'as vu? Donc je disais, soit on rajoute, on fait un point un peu plus serré là,
avec un petit bouton, pourquoi pas, comme ça, pour faire que ça tienne bien. Ou soit peut-être avec un nœud. Je vais un ruban en plus ici. On va voir. Parce que c'est juste ça vraiment qui fait que ça tombe. Oh la jolie princesse, ça te plaît, hein? En plus, je ne les passe même pas sur le visage. Tant mieux, je vais te repasser les pinceaux. Un petit peu sur le visage. Quelle couleur le visage? On va pas le peindre, le visage. Hein. On va peindre juste les yeux, les sourcils. C'est pas le visage parce que là... Réponse, il est belle, hein? Croc-croc, belle. Fin de soirée devant la Vactuali. J'ai bossé, j'ai fait mon linge. J'ai fini d'emballer les dernières conneries. Et maintenant, je vais monter ce vlog. J'ai remarqué un truc. Quand je vous dis, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, allez, c'est cool, c'est gentil. Vous le faites? Je vais peut-être vous le demander à chaque fois, en fait, alors. Bon allez, j'arrête mes conneries. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.